Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans tous mes colis. Je vous montre pas l'avant parce qu'il y a mon nom et mon prénom sur tous les colis ainsi que mon adresse. Et voilà, donc vous comprendrez. Il y a 5 colis. Du coup, je vais vous les ouvrir pour bien faire, car c'est un peu le but de la vidéo. On commence l'ouverture avec donc le premier colis qui est là. Bi, apporte-moi le couteau. Ha 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 ha, allez donc ça. Aïe. Ça va pas être facile à filmer tout en coupant et tout. Donc je vais le faire et je vous montre après l'ouverture de la boîte. Je l'ai ouvert comme je pouvais. Du coup, je vais vous montrer. Normalement, vous devriez savoir c'est qui, rien qu'aux chaussures. Dites bonjour à Holt. J'ai Holt. Il est d'occasion, donc il manque les lunettes et... Ouais, donc il manque les lunettes et... Bah, je sais pas en fait ce qu'il manque. Il manque les lunettes et... Bon, il manque des trucs en fait. Mais il est pas mal. Il a quelques défauts, mais il suffit juste de le nettoyer et tout, et comme ça la poussière elle s'enlève. Il est magnifique. Donc voilà, c'était tout pour le premier colis. Du coup, voilà le colis numéro 2. Je vais l'ouvrir. Troisième colis. Bon, celui-là, ma soeur l'a déjà ouvert. Du coup, bah voilà, je veux pas vous. C'est un truc collector que j'ai trouvé à 20 euros et que j'ai pris. Elle va rester en boîte. Frankie, suite 1600. Voici donc le quatrième colis. Alors, si je parle mal, c'est normal. Je viens de manger du chocolat. Je suis jamais présentable quand je fais des vidéos. Je vais déjà l'ouvrir en attendant. Enfin, dis-moi si j'arrive. Je sais pas ouvrir une boîte. On va faire comme on peut. C'est des petits sacs. Attendez. Je vais prendre. Ah bah voilà, vous avez les jambons. Mais je vous les montre pas. Pour pas vous spoil. C'est déjà des basiques. Je vous laisse deviner. Et les deux. La marine qui veut pas quitter le sac. Du coup, on va commencer par laquelle? Ah bah c'est carrément dans un sac. Je vous la montre ensuite, voilà. C'est Spectra basique. Et l'autre, celle-là vous allez l'adorer. Dis-moi si j'arrive à vous la montrer. Ah bah, du coup, voilà. J'ai toutes les basiques 2, il me manque juste les scouts. Ouais, les scouts, les scouts si vous voulez. C'est plus marrant de dire les scouts. Il me manque juste la ceinture et le bracelet, mais ma soeur a la Ghouls Alive, alors ça ira. Et Abominable basique, hein. Coco Moyak, tu vas m'adorer. Avec elle, il me manque juste le collier, mais ça tombe bien, j'ai un fashion pack de Abby. Où il y a un collier avec quasiment la même couleur, de toute façon, c'est pas grave si c'est pas la même. C'est une poupée que je ne vendrai jamais. Car tu oseras vendre Abominable? Espèce de trou de cul. Bref, je vais un petit peu les nettoyer, les réarranger un petit peu. Et pour Abby, elle a le nez un petit peu jauni, mais c'est pas grave, parce que je sais arranger tout ça. Alors, il n'y a vraiment aucun problème. Elles sont magnifiques, et elles sont quasiment complètes. Enfin, elles sont complètes, vu que j'ai les trucs pour mettre. Du coup, je suis content. J'ai les petits journaux, j'ai tout, j'ai la totale, les bons socles. Je suis comblé. Et on passe donc au dernier colis. Celui-là, je pense qu'il y en a qui savent déjà qui c'est, puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Instagram et sur YouTube, en poste. Voilà. Voilà. Quoi? Je l'ai ouvert comme une merde. C'est une 13 wish. Je vous laisse le suspense. Non, pas du tout en fait. Frankie. Alors, elle, je pense l'ouvrir, je sais pas du tout, je verrai. Mais j'ai grave envie de l'ouvrir. De toute façon, elle est pas si dure à trouver et pas chère en boîte. Du coup, pour faire un petit bref.
Du coup, pour faire un petit débrief de tout ça, j'ai eu deux poupées en boîte, c'est que des Frankie, parce que Frankie, bah, elle a un petit peu été gâtée. J'ai eu deux basiques, Abby et Spectra, complètes. Bon, il y a aussi eu Rochelle basique que j'ai eu, mais elle n'était pas dans le colis. Mais je l'ai eu avec en même temps. C'est juste qu'elle arrivait plus tôt. Petit pot de Nutella. Gogo. Et j'ai eu Holt Sim Class avec un petit pet shop customisé en Philali. Coup, voilà, si vous voulez savoir la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sûrement la review de cette poupée. Parce que oui, je vais l'ouvrir. Je me suis décidé, je vais l'ouvrir. Oh oui, tu vas l'ouvrir. Cet habit, je sens qu'elle va me plaire. Bref, ça m'a pas coûté du tout cher. Holt, 10 euros. Le pet shop, 3 euros. Bon, il y a les frais de port aussi pour tout. Les frais de port, c'est environ 3 euros la totale. Rochelle, 10 euros. Et il y avait tout. Ces deux-là, c'était 16 euros la totale. Et il manque juste 3 accessoires que je sais récupérer facilement. Frankie Suite 1600, 20 euros. Et elle est neuve en boîte. Et pour cette Frankie-là, 16 euros. Et elle est belle. On me voit avec une grosse tête. Bref, je vous laisse pas trop avec mes blabla. Du coup, à plus pour votre prochaine vidéo. Et bisous!